pirate à Art. Allô. À plus tard, les faux pirates à Art. Et hop. Boum, appétit. Je vais t'attraper. On devrait t'appeler le Hollandais chouinant. Parce que t'es un petit bébé. Les frottements. À plus tard, les faux pirates à Art. À plus tard, les faux pirates à Art. Récupérez ce bateau, crevette. Et mon ananas. C'est quoi le problème, rectangle sur patte? T'ananas pas trouvé ce que tu cherches? Je vais te faire passer sur la planche. La seule chose sur laquelle je marche, c'est la route de l'amitié. Et cette route mène droit à la victoire. Alors je suis prêt à tout. Beaucoup mieux. Tu penses que ça a quel goût? Le point de vaincre l'amiral Cromwell. Hollande et Volant va être si contents. Ça devrait couvrir mes arrières. Beaucoup mieux.
vais t'attraper. Broussaillon, hurlez avec moi et semons la terreur sur les sept mers. C'est tout gluant. Ça va déjà beaucoup mieux. Amstramgram, j'attrape une crevette infâme et je l'écrase. D'accord, je l'écrase pas. Mon ananas chéri, on va te ramener à Bikini Bottom, hein? Prochaine étape, 124 Yukon. Ma belle maison est de retour. Qu'on est bien dans son ananas. Mais sans Gary, c'est pas pareil. Patrick, il faut qu'on le retrouve. Qu'est-ce que tu fais, Plancton? Viens-t'en pas de mes petits pains. On dirait que Plancton et Monsieur Krabs s'entendent à merveille. Peut-être que je devrais quand même aller voir comment ils vont, juste pour être sûr. Réussir à traverser ici par les airs. Je suis un poisson volant. Je suis prêt à surfer. Faire bon post-it bien. C'était presque une phrase complète ce coup-ci. Si tu ne grillais pas ces pâtés comme un débutant, je n'aurais pas à utiliser mes appâts. Contente-toi de suivre mon exemple. Si je suivais ton exemple, mes précieux pâtés auraient le même goût que ton affreuse bouillie d'appât. Monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites ici? Vous travaillez avec Plancton? J'ai pas le choix. Les habitants de Bikini Bottom meurent de faim. Je ne pouvais pas les laisser manger les déchets que Plancton servait. Je suis là. Alors on a fait un marché pour nourrir ces pauvres bouches affamées. Du moment qu'elles ont droit à payer, bien entendu. Krabs, si tu vas pas un peu plus vite avec ces pâtés, personne ne sera nourri. Alors tu devras dire au revoir à ton argent chéri. On a besoin de ton aide. Tu es le seul à qui je peux confier ma formule secrète. Tu pourrais nous préparer quelques pâtés de crabes supplémentaires. Je m'en occupe, Monsieur Krabs.
tellement besoin de nourriture et d'attention. Je sais que t'aimes bien te déguiser, alors j'ai une petite récompense pour toi, pour avoir aidé ton employeur préféré. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je meurs de faim. Où est-ce qu'on commande? C'est quoi le problème? Allez, je meurs de faim. C'est quoi le problème? Salut, Bob. Je voudrais pas paraître ingrat, mais la nourriture ici me fait regretter de ne pas avoir mangé l'une de ces tartes explosives. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que ton escargot de compagnie te manquait, ton cher Walter. Gary. Oui, Gary. Eh bien, avec ce costume cosmique, tu devrais pouvoir emprunter le portail par lequel il a été aspiré. Mais attention, mon petit. Ton escargot est en grand, très grand danger. Oh, un joli costume de fleurs. On se rend sûrement dans une terre de douceur et de soleil. Ça va déjà beaucoup mieux.